Ce film, je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même. Le roman d'André Scheur, de Sacha Guitry, fut réalisé en 1936. Considéré comme l'un des 100 films les plus importants du cinéma, cette œuvre singulière possède des caractéristiques à la fois étonnantes et en même temps parfaitement adaptées et représentatives du cinéma de Guitry, à commencer par son générique. C'est Marcel Lucien qui en a gravé les images assistées par Raymond Cluny, tandis que Paul Duverger en imprimait les sons, isolé dans sa cabine, comme en plongée. C'est en effet à travers ces génériques qu'on reconnaît Sacha Guitry. Les décors ont été exécutés par Gerbe et par Ménessier. C'est Malraux qui les meubla. Quant à mes interprètes, les voici. Mais surtout, il ne veut jamais que son spectateur soit tout à fait dupe de la fiction et cherche à imposer sa présence. C'est cette volonté qui le fait se démarquer des cinéastes de son temps. Merci. Au fond, Guitry, c'est quelqu'un qui est toujours un peu dans le passage entre la coulisse et la scène. Auteur de 124 pièces de théâtre, Sacha Guitry a aussi réalisé 36 films, dont le roman d'André Scheur, adaptation de son seul roman. Je suis né à Pingolas, petit village bien joli de Vaucluse, dont on aperçoit le clocher à main gauche quand on va Vertillac en quittant Cavaillon. L'histoire commence alors, Guitry s'étant mis en scène en tant qu'auteur et narrateur, tandis qu'il écrit ses mémoires à la terrasse d'un café. Tout le film repose sur sa voix, qui remplace le son diégétique. C'est ce dont parle François Truffaut. Le roman d'un tricheur, qui est au 4/5e commenté, et qui est vraiment une réussite du film commenté, puisqu'en sortant de ce film, on peut croire qu'on a entendu chaque personnage parler, ce qui est faux. En réalité, c'est un long monologue de Guitry. Petit, va porter ça tout de suite à la dame, tu vois, à la dame qui a le chapeau rouge là-bas, n'est-ce pas ? Et remets-lui cette lettre. Guitry semble réinventer le cinéma muet. Lui qui ne s'était intéressé au cinéma qu'à partir du moment où il était devenu parlant. Sacha Guitry, dans le roman d'un tricheur, donne aussi ses lettres de noblesse au doublage, qui était à l'époque très méprisé. On a reproché à Guitry d'avoir une image prisonnière de la parole. Mais ces images au service de la voix sont tout l'intérêt de ses films. Il faut aller chercher du côté de la bande-son, là où l'image sert à l'auteur d'illustration. Il s'appuie sur des personnages parfois simples, clichés, pour mieux se placer en tant que metteur de jeu et presque finalement en tant que metteur en scène de son cinéma. Qu'on me comprenne à demi-mot. Guitry, qui se plaît à reprendre les moralistes de son temps, célèbre ici la vie d'un homme malhonnête, dont les vices s'expliquent cependant par son histoire. Oui, j'étais vivant parce que j'avais volé. De là en conclure que les autres étaient morts parce qu'ils étaient honnêtes. Et ce soir-là, m'endormant seul dans la maison déserte, je me suis fait sur la justice et sur le vol une opinion peut-être un peu paradoxale, mais que 40 années d'expérience n'ont pas modifiée. Il nous partage ses années d'expérience en réalisateur, narrateur, auteur, mais aussi en tant qu'acteur, toujours dans la thématique du film, l'honnêteté, les jeux, l'argent. Le destin s'acharnait contre moi et me poussait à devenir une vraie canaille. Dame, quelle est la première pensée qui peut germer dans la cervelle d'un homme puni pour n'avoir pas triché ? Triché, évidemment. J'ai changé 12 fois de nationalité, 14 fois de nom et 20 fois de visage. J'ai été russe, anglais, allemand, espagnol, brésilien, chinois, turc. C'est ce qu'il se plaît à nous montrer, tout en jouant avec le spectateur, qu'il rend ici complice avec un regard caméra. Dans le roman d'un tricheur, Sacha Guitry réussit même à nous donner une leçon d'économie en nous incitant à dépenser notre argent. Pour qu'une pièce de 5 francs vaille 100 sous, il faut la dépenser, sans quoi sa valeur est fictive. Parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit.